Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, le temps simple et le temps composé. Qu'est-ce que ça veut dire un temps simple et qu'est-ce que ça veut dire un temps composé? Je vais donner des exemples maintenant pour expliquer et je parle. Regardez bien, je parle et on a j'ai parlé. Regardez ici, on a je parle. Je parle. On a seulement le verbe qui est conjugué au temps simple. On dit c'est le présent. Le présent de l'indicatif. Et ici, on a le verbe parler au passé composé. Au composé. On dit ici c'est un temps simple. Ici c'est un temps composé. Composé. Comment on trouve un temps composé d'après un temps simple. Regardez ici, on a le verbe parler au présent de l'indicatif. Après, regardez ici, l'auxiliaire. On a ajouté l'auxiliaire plus le participe passé. On va déduire un temps composé égale auxiliaire. Auxiliaire. Être ou avoir, ça peut être ou avoir, plus le participe passé du verbe, quel que soit le temps. Le participe passé du verbe. C'est très bien. Maintenant, on va savoir le comment ou la règle pour passer d'un temps simple d'un temps composé. Regardez, on va commencer par le présent. Je chante. C'est le verbe chanter au présent de l'indicatif. Et pour chercher le temps composé, c'est le passé composé on va conjuguer d'abord l'auxiliaire. Regardez, j'ai l'auxiliaire avoir parce que le verbe chanter se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'ai chanter plus le participe passé du verbe chanter, c'est chanter. Ça, c'est pour le présent. Et pour le futur, on va futur. Garde toujours le même verbe, il chantera. Pour le temps composé, on dit le futur antérieur. Il chantera. Qu'est-ce qu'on a dit? La règle, c'est de conjuguer l'auxiliaire au temps simple, c'est il aura chanté plus le participe passé. C'est très facile.
Maintenant, on va passer à l'imparfait. 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 Nous chantillons. Et pour le temps composé, c'est le plus que parfait. Le plus que parfait. Nous, c'est le sujet, plus l'auxiliaire à l'imparfait. Nous avions chanté. Nous avions chanté. Maintenant, il reste seulement le passé simple. Passé simple. Le passé simple. Vous. Je. Je chantais, passé simple, des verbes de premier groupe, c'est AI. Et pour le C, passé antérieur. C'est le passé antérieur. Gardez l'auxiliaire avoir au passé antérieur, c'est je chantais. Et maintenant, on va passer un petit exercice pour bien comprendre. Donne le temps composé. Je finirai. Regardez. D'abord, on doit savoir le verbe en quel temps il est conjugué. Je finirai. C'est le futur. C'est-à-dire, je vais conjuguer l'auxiliaire au, pardon, l'auxiliaire au futur et j'ajoute le participe passé. Nous jouons. Nous jouons. Le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Nous avons. Regardez, l'auxiliaire est au présent parce que le temps simple, c'est le présent. Nous avons joué. Il regarde. Il. Le présent, il a regardé. Vous préparez. Vous préparez. C'est le présent. Vous avez. C'est le présent. L'auxiliaire est au présent. Vous avez préparé. Le plus important ici, c'est de savoir en quel temps le temps simple. Elles chanteront ici le futur. Elles auront chanté. Je ramasserai
C'est le futur. Je, j'aurai, ramasser, c'est un verbe de premier groupe, c'est-à-dire c'est E accent. Tu mangeras, tu auras mangé, parce que c'est le futur. Vous réussirez, vous aurez, réussi, parce que c'est un verbe de deuxième groupe. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.